Tu seras toujours sur sa dominance. Et cette déesse habite jusqu'alors au fin fond d'un désert que je ne peux pas citer. Sinon, les gens qui vont beaucoup dans ce pays, ils vont aller invoquer. Parce qu'elle est... Voilà pourquoi je ne mentionne pas son nom. Si tu l'appelles, elle répond. Elle te propose ce que tu veux, l'argent, tout, tout, tout. En retour, elle va te demander de posséder les armes et les femmes qu'elle veut. Elle ne possède que ceux qui ont les étoiles qui brillent. Et je vais encore vous révéler quelque chose. Faites attention aux gens qui écoutent la musique de Bonaboy, aux gens qui écoutent la musique de Davido, aux gens qui écoutent la musique de Tchatawale, les gens qui écoutent la musique de 50 Cent et autres. Tous les rappeurs que vous voyez avec des grosses chaînes, ils sont sous le contrôle de cette dame. Et quand tu écoutes sa musique, elle te possède. Je suis allé, il y a 2 mois, je crois, mais visiter un royaume. Là où on crée les musiques que vous dansez là. Comme Boga. La chanson maintenant qui est populaire, même le président. Il y avait même le président du Liberia. Mon ami Georges, qui danse même ça. Un président. Une chanson qui fait l'apologie d'orgueil. Boka. La chanson est chantée par Kiss Daniel en featuring techno. Et Kiss Daniel reflète même l'orgueil. Vous voyez? Vous dansez ça, vous êtes dedans. Et cette chanson est tellement dansée par les gens. Même l'école de mes enfants. Ils font danser ça. Un truc britannique. Là où il y a les blancs. Vous voyez? Le monde fait l'apologie de son peuple. Parce que le monde ne peut pas faire l'apologie de ce qui va le combattre. Regardez les prophéties. Les paroles du futur qu'on vous donne. Regardez vous-même. Ces paroles du futur sont tellement précises. Mais quand elles se réalisent, les gens oublient. Les gens ne prennent même pas la suite. Regardez. On vous a partagé l'expérience du Nabi dans le pays que je suis passé. Regardez vous-même. Comment sont ces pays? Le Cameroun. J'ai visité au Cameroun. Le Nigeria, j'ai visité le Nigeria. Le Niger, j'ai visité le Niger. Le Togo, j'ai visité. Je suis allé au Burkina, on m'a jeté. Mais comment sont ces pays? Ne croyez pas que parce que le Togo est tranquille, que c'est tranquille. Hein? C'est parce que j'ai des enfants là-bas. Il a laissé quelques semaines. J'ai eu la grâce de visiter le Togo. J'ai vu que le Togo avait beaucoup changé. Mais curieusement, j'ai vu que le Dieu du Togo s'est fortifié énormément. Et ne croyez pas que si les pays qui m'ont rejeté ne sont pas stables, le Togo va être aussi stable.
c'est parce que mes enfants sont. Et je vous dis, tout septembre n'est pas septembre. Je reprends, tout septembre n'est pas septembre. Il y a les septembre en paix. Il y a les septembre. Dont la conscience est déconnectée de la conscience. N'oubliez pas, il n'y a pas ce que je vois qui ne se passe pas. Quand je parle, c'est que j'aide à parler. Que le Great Hashem vous ouvre les yeux de la connaissance, et cette connaissance vous permet de marcher selon sa voie pour éviter les pièges des ennemis, des enfants, fils et filles sanctifiés. Vous êtes avertis? Faites attention. Ceux qui ont porté beaucoup les chaînes, surtout aux pieds. Et si la chaîne que tu as portée au cou était une grosse chaîne, tu n'auras jamais, je vous dis jamais, je mets à défi, une personne qui porte les grosses chaînes en or au cou et qui est stable dans un couple. Venez. Peut-être qu'il passe en ce moment, tu es stable, mais je te dis, tu ne peux pas tenir dans un foyer. Tu seras toujours fidèle. Même si ton mari a l'argent, te donne l'argent, tu coucheras avec ton gardien, tu coucheras avec le chauffeur de ton mari, tu vas toujours faire des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que tu as accepté d'être comme un chien, même avec ton fils. Tu couches avec même ton fils. Mais quand j'ai vu le secret de Bonaboy, j'ai compris que le secret de Bonaboy, c'est sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa mère? Imaginez. Le secret de Bonaboy, c'est sa mère. Si sa mère meurt, Bonaboy tremble. Puisqu'il doit prendre quelque chose sur sa mère chaque jour. Chaque jour défini. Mais je ne peux pas dire. Imaginez. Donc son pouvoir, c'est sa mère. Mais sa mère porte la chaîne au pied. Et la chaîne au cou. Je n'ai rien dit. Mais vous pouvez imaginer. Donc, le symbole de ce truc-là, c'est la haine. Tu auras beaucoup de haine. Colère, tu es orgueilleuse. C'est ça. Faites attention. Apportez les chaînes sur votre cou. Vous portez le malheur de vous-même. Mon nom, mais tu connais. Nabi. Je dis bien Nabi. Il faut bien écrire Nabi. Melchizedek. Marne de Bachille. Je suis né dans le mystère. Je vis en révélant le mystère. Et je vais mourir demain dans le grand mystère. Sûrement. Dans le désert d'Arabie Saoudite.